Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un poulet rôti à la minute. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre recette. Du romarin, du thym, une belle volaille, un peu de fromage de chèvre frais, un peu de miel et du beurre pour la cuisson avec un petit peu d'huile d'olive, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui pose problème quand on n'a pas de four et quand on veut rôtir une volaille? Forcément, c'est le fait que la bête soit entière. Donc, on ne va pas lever le filet, on va prendre l'arrière de la volaille. Et là, on va tout simplement, la colonne vertébrale est ici, on va passer de chaque côté, on peut le dessiner déjà, voilà. Et une fois qu'on est là, on entaille. Une fois qu'on a entaillé, on enlève les doigts et on va tout simplement, regardez. Voilà, on a fait un côté. L'autre côté, on entaille, on descend et on continue à descendre. Notre volaille est ouverte. Et regardez ce qui est amusant, c'est que quand elle est ouverte et qu'on la retourne, on appelle ça souvent le poulet rôti en crapaudine. On a l'impression d'avoir un petit peu une petite grenouille. On a préchauffé quand même à une température de 1 à 10, on est sur 8 quand même, parce qu'on veut quand même saisir, on veut colorer la viande. Donc ici, de l'huile d'olive et le beurre, pour rôtir une volaille, il en faut. Donc vous mettez 3 belles noix de beurre, donc les gousses d'ail, juste tapées. Là, on va déjà pouvoir mettre l'ail, la petite branche de romarin et la branche de thym. Et maintenant, on va mettre la volaille côté peau, d'abord. Voilà, ce qu'on veut maintenant, c'est la colorer. On va en profiter du fait qu'elle soit de ce côté pour assaisonner l'intérieur. Voilà, on n'hésite pas à le faire voyager, hein. Toujours pareil, pour que la matière grasse soit, ne brûle pas à un seul endroit. Voilà, et maintenant, on va retourner. Voilà. Maintenant qu'on a tourné, on peut remettre le quatrième morceau de beurre. Et alors, il nous reste une chose à faire, c'est bien mélanger, incliner votre poêle et venir, regardez, là vous venez arroser votre volaille. Voilà, donc on se retrouve un petit quart d'heure après pour notre volaille rôtie à la poêle. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez, on va simplement prendre ces petits morceaux de chèvre frais et on va venir mettre ça sur notre volaille. On va terminer avec un filet de miel, mais un filet vraiment, hein. C'est simplement pour délicatement parfumer. Et donc vous avez là le poulet rôti que moi je préfère. Et ce que l'on attend maintenant de vous, c'est que vous nous envoyez les photos de votre réalisation, les preuves même de votre réalisation, et on les partagera bien sûr sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.